Salut à tous. Et bien, comme vous avez pu le voir en titre et à l'écran, de retour encore sur Elden Ring, ma facture sur ma deuxième partie. Du coup, on reprend là où je m'étais arrêté, donc à savoir au feu de grâce, à rempart du château de Vorlan. Sachant bah, de toute façon, c'est la direction que je vais finir par prendre, hein, puisque là j'ai complété pas mal la partie gauche, celle de droite, hein, je pensais plutôt pas mal non plus. Donc, ma foi, il n'y aura plus qu'à descendre. Pour rappel, donc du coup, Irina qui se trouve ici et qu'on croise pour la première fois a priori, m'a remis une lettre qu'il fallait remettre à son père. De ce que m'a dit le frangin, faut surtout pas, sinon elle meurt. Donc du coup, j'ai accepté la lettre, mais je pense que j'essaie de pas la remettre à son père, essayer de pas lui parler. Enfin, on verra. Déjà, il faudrait que je me rappelle qui c'était du coup, parce que ça se trouve, je vais lui parler sans le vouloir, donc... Bon, bref. Je pense qu'avant de s'attaquer au château, je vais peut-être faire une copie de sauvegarde. Je verrai bien. Je vais essayer de compléter en tout cas la petite zone là. Et puis on verra ce que ça donne après. Je vais faire un petit tour par là, je pense. Alors, attends, je me suis TP au moins déjà. Je suis ici. Hop là. Donc c'est derrière. Alors je vais profiter que j'ai un peu d'âme de côté pour lui prendre l'accès à l'âme de pierre, quand même très utile. L'épée bâtarde, hein. Ouais, pas intérêt. De toute façon j'avais déjà une je crois. J'échapperai bien son armure. Le médaille en tant qu'à faire. Hop. Oui, ça. Il y a une graine d'orine. Pas sûr que je l'ai échappé dans la partie principale, celle-là. J'ai comme un gros doute. En tout cas, j'ai déjà allé lui faire bobo parce que lui, il va me faire chier jusqu'au bout, tu vas voir. Ah, mais t'as pas beaucoup de vie, toi. C'était arrivé. Oh bah, c'était vite fait, hein. Ma foi. Il avait pas de vie. Bon, moi je suis tranquille. Je vais pouvoir aller fouiller après. Là-haut. Sans me faire chuter comme un canard. Hop.
Même pas tu donnes un truc à la fois. Enfoiré. T'as crevé ou? Crois plus que tu me tues, enfoiré. Oh, l'enfoiré. Genre! Il a. Enfoiré, il a essayé d'attaquer en même temps. Kenner. Putain, j'y crois pas, enfoiré de Krebs. Tout ça parce que j'ai hésité à faire la contre-attaque. C'est dingue, hein? Il suffit que tu hésites une fraction de seconde et ça suffit pour que tu te fasses tuer. C'est dingue. Putain, l'enfoiré de Kleber, attends que je revienne. J'ai tué toute ta famille, enfoiré. Peut-être tu viendras jamais au monde. Ah, c'est méchant pour lui, pauvre but. 30 millions d'amis quand même, minimum. Enfin, si je tue toute sa famille, du coup, il y en aura un petit peu moins, mais ouais, on dira personne. Tiens, c'est à fou que tout ça. Ah, tu m'as rien rapporté là. T'as plus que les os sur l'épaule. Voilà. Mais c'est pour ton bien, fais pas chier. Peut-être t'en profites comme un lâche. Voilà. Ah bah, désolé les gars, il n'y a plus 30 millions d'amis. Il n'y en a plus que 29 999 997. Ah voilà, c'est comme ça et puis c'est tout. Du coup, faudra attendre les tout petits. Ah ben non, c'est vrai, j'ai tué la famille, c'est con ça. Oui, je sais, je suis parfois très con. Ça arrive, c'est comme ça. C'est pour saluer ça? Ah ouais, on va pas saluer. Bah voilà, on a encore perdu un. En vrai, avec le nombre de joueurs qu'a sur le jeu, je pense que les 30 millions, il y en a plus. Donc, du coup, bah, va falloir monter les 30 milliards d'amis. Ce sera mieux, je crois. Au moins comme ça il y aura de la marge. Hein. Pauvre Brigitte Bardot, si elle entendait ça, je crois qu'elle serait choquée. Brigitte, calme-toi, je déconne. C'est de l'humour. C'est cheat. C'est un arc. Yes. Alors toi. T'as cru que t'as été échappé comme ça là.
Enfoiré. Yes. Nuage de poison. Pas impeccable. Alors, il y a où est-ce que c'est? De surf. Cool, c'est gentil. Et condoléances, c'est sûr. Petit gourou là. Ah, t'es pas aussi fort que ton petit papounet, c'est ballot, hein. La manche, sale gosse. Il se trouve un coin de suicide, on va éviter. C'est comme ça, parfois t'as les joueurs qui craquent, ils ont marre de la vie, puis hop, ils vont se suicider. S'ils n'ont pas compris, tu vois. Le problème, c'est que quand tu te suicides dans le jeu, tu reviens à la vie. Donc, du coup, tu vas remourir. C'est un cercle vicieux, en fait. Hein. Ah, c'est génial, toi. Ah, ça c'est bien, pierre de force en mode. Tiens. Ne fais pas ça, on est amis, enfoiré. Tu peux en invoquer une, pourquoi tu fais ça?
Tiens, le serpent en vue. Alors, soit il est aveugle, soit il est aveugle.
Château du Vin-Hurlant. Et ben voilà. Bon, à mon avis, ça va être un peu limite en côté puissance. Je sais pas si je vais pouvoir. Avant de monter, je vais voir ce que je peux faire à la forge. Ah, you appear to be doing well. Well then, would you like? May the gold. Took you for no matter to lay out your arm. Ah, c'était sûr, toi ça. Tu as pas les pierres de niveau 1. Dommage. Compte, j'ai les pierres pour améliorer celui-là. Non. Ah non, c'est une sorte de con. Si. Évidemment, si je recule que je dans le mauvais truc, ça va pas le faire. Si je coupe, c'est qu'il y aura trop de bruit. Once the wisdom of the two fingers becomes your own, I'll impart to you a prop as a true member of the round table. I have high hopes for you. I'm sick and tired of them. These namby-pamby tarnished think us no more than a shelter from them. We've spoken long enough. Il va falloir faire 100. Assez extorme. On verra bien comment ça passe.
c'est ici que ça va être short. Toi, tu m'as même pas envie qu'il arrive déjà comme. Salut Nora. D'abord faire là. Nous passons à l'autre. Comme ça, pas de dialogue. A face I've not seen before. I'm Edgar, warden of this castle, as ordained by Lord Godric himself. Ah, c'est un truc qu'il faut pas mettre à l'être. The menials have all rebelled. They gave me good service, or so I thought. But it seems it was all an act. Foul creatures, as it said, and sure enough, they're foul inside and out. I'm sorry to disappoint you, but whatever you come here to do, I'm afraid Castle Morn won't hold much longer. Take this, by way of apology.
Et bon, on va éviter, je tiens pas à ce qu'elle meure. Ça tombe bien parce que lui je l'ai croisé beaucoup trop tard. Donc du coup j'ai pas pu faire sa quête non plus. Ça ramène de ce côté. Okay. Alors de mémoire, il y avait un objet là-dessous. Là où je sais plus, je crois pas. Ouais, cette fois je suis pas tombé dans ce bel eau. Forêt, il n'y a pas d'avion. Non mais du tout le touche. Oh putain, j'aurais pas dû insister. Déjà le mec il te fait un rush juste après t'avoir touché, tu sais, droit devant.
Ok, d'accord. Ok, même pas de me donner un truc. Oh, le coup là, ça se rue, il est tombé direct au milieu, et paf, il est mort comme une mec. Ouf, ça sent pas bon ça. Ah, la sortie, c'est pas con. Pourquoi je l'ai alloqué comme un con hein. Ah, donc le gros, on n'est pas mêlé. Comme nouvelle arme. Elle n'y a une limace, mais bon, putain, n'importe quoi. Soit c'est fait exprès, soit certains n'ont pas d'aller à l'école. C'est pas possible, rien ne se passe. Bon, évidemment je taquine, je précise quand même que... Juste pour ça. Il faut y aller, je sais pas souvenir d'être allé là dans ma partie principale. En tout cas faire. Et ben il n'y a rien.
Ouais, je crois que c'est parti pour l'affronter Léoline. On verra bien ce que ça donne. Ça passe ou ça casse. Vas-y, tu me touches là. De fou. Ça fait bien quand c'est une petite. Et il t'occupe là. Voilà, c'est ça, il est passé. Putain, les dégâts qu'il a fait. Putain. Yes. T'as la bidèche. Ah non, je viens de le mettre. Ah, c'est cheat. Putain, j'aurais pas dû insister. Vas-y, chute là, faites pitié. Que fasse demi-tour. Ouh, ça va marcher. Yes. Un peck. Trop facile. Ça marche. Espadon fusionne. Un peck. Ça va, finalement c'est bien passé. Mieux que je ne l'aurais cru. Merci la méduse. Quel est celui-là? Ah merde, c'est celui-là. Attends, tu te mets. Non, je peux pas remonter comme ça. Si je peux aller voir la pièce en dessous quand même. Enfin, je remonte tout. J'aurai peut-être le temps de compléter, parce que 7 minutes, ça va être chaud. Les gars, je suis passé pour prendre l'objet chez la daube, ouais, pas rien.
Putain, ils vont tous s'armer comme par hasard. C'est quoi t'es morte? Évidemment dans le dos. C'était limite. Oh putain, il y a un gros panneau. Ah non. Ah bah il y avait un coffre. Oh putain. J'étais pas vu ça. Oh putain, c'est là où il y avait la clé mort. Je pensais bien plus ça. Yes. Impeccable. Putain, j'ai manqué, je l'avais trouvé. Impeccable. Il est sorti l'autre. Je sais pas si il y aura le temps de finir, de fouiller tout ça. À mon avis, il n'y aura pas le temps. Ah, je n'aurai pas le temps. Bon allez, on sait jamais. Du coup, si jamais ça coupe d'avance, désolé, je vous dis à plus. Je vais essayer de les faire avant. Je promets pas. Ok, c'est ici qu'il y a la torche parmelée. Yes. Bon bah ça c'est fait. Hop. Bon bah là c'est l'entrée. Bah de toute façon c'est bon. Je crois que j'ai tout fouillé. Il me semble, non? Putain, je suis arrivé là. Non, il y a aucun échelle. Putain. J'aurais peut-être pas le temps. Allez, pouf! J'aurais pas le temps. Ça serait bien qu'il y ait tout dans la même île, quoi. Peut-être pour descendre en dessous. Là, ouais, il y a rien. Ouais, c'est pour descendre. Bon, bah voilà. Du coup, je vous dis à plus. Ciao.